Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission Évangile TV Live. Je suis Julien Fab et ce soir, je vais vous apporter un message de feu. Le thème de ce message ce soir, pardon, c'est conquérir par la foi. Et j'aimerais vous parler de ce merveilleux thème qui, je le crois, peut totalement chambouler votre destinée, véritablement votre appel, etc. et votre façon de voir les choses et d'agir dans votre vie. J'aimerais également vous saluer, vous qui êtes présents, chers Canadiens, chers Antillais, chers Caraïbéens. Comme vous le savez, cette émission, j'ai envie de dire, est à 20h pour vous avec le décalage horaire. Donc voilà, 20h pour vous, 20h heure canadienne, heure martiniquaise, heure guadeloupéenne, je crois. Donc n'hésitez pas à partager ce live, cette émission à toutes les personnes pour qui il est 20h chez eux. Bon, s'il est 2h du matin pour certains et que vous me suivez et que vous ne travaillez pas demain, c'est pas grave, restez connectés. Vous pouvez également partager. Mais pour tous les Canadiens, les Martiniquais, les Guadeloupéens, je vous invite dès maintenant à partager ce live, ok? Il est 20h pour vous, donc n'hésitez pas à partager cette émission. Vous pouvez également prendre des notes ou même écouter en mangeant, ok? Si vous êtes en train de manger, mais une chose est sûre, c'est que ce live va vous permettre de pouvoir aller plus loin dans votre mindset, dans votre mentalité, votre paradigme, et ça va permettre véritablement à votre âme, à votre esprit de se dire que je suis un conquérant et je dois conquérir par la foi. Et c'est le thème de ce soir, de cette merveilleuse émission Évangile TV Live, ok ? J'aimerais également honorer et remercier tous les dirigeants de cette merveilleuse chaîne qui est Évangile TV. Je pense notamment à l'apôtre Alain Patrick Tsengue, mon père spirituel. On peut acclamer pour lui. On peut l'honorer. Amen. J'aimerais également honorer la ministre Sabrina et toutes les personnes de cette merveilleuse chaîne, tous les membres du pôle technique, les personnes qui font du montage, qui travaillent dur pour que vous ayez l'Évangile chez vous. Je ne sais pas si vous réalisez et vous vous rendez compte, mais c'est fou de se dire que je suis en région parisienne, en Île-de-France, à Paris, et que vous êtes au Canada, vous êtes aux Antilles, vous êtes peut-être aux États-Unis et vous me suivez alors que nous sommes à des heures de vol en avion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous sommes à des kilomètres qui nous séparent. Pourtant, nous avons la possibilité de pouvoir, j'ai envie de dire, être ensemble, ok ? De pouvoir être connectés, que vous pouvez, j'ai envie de dire, je peux vous parler, vous pouvez me suivre. Alors que nous sommes à des milliers de kilomètres qui nous séparent. À quel point la technologie est importante. Vous savez, moi je crois qu'à l'époque, s'il y avait des smartphones, des caméras, tous les disciples de Jésus l'auraient filmé et auraient fait des lives Instagram. Ils auraient même fait des lives YouTube. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, nous avons la possibilité de partager, propager un message à travers le monde entier. Et ce message ce soir va vous apprendre énormément de choses. Il va vous booster dans votre foi. Et je pense que vous pouvez partager encore, vous pouvez continuer de partager à davantage de personnes. Parce qu'on doit être plus nombreux à entendre ce qui va être dit ce soir. Ok ? On doit être plus nombreux que ça. Amen. Donc je vous laisse continuer de partager rapidement. Ok ? Et sans plus tarder, nous allons commencer ce live de la meilleure des manières possibles. Comment ? En priant, en parlant à Dieu et en recommandant ce live entre ses mains. Vous savez, toutes les vidéos YouTube commencent peut-être par des intros. Les youtubeurs commencent leurs vidéos par des intros. Sur Évangile TV, nous commençons nos émissions par la prière. Pourquoi ? Parce que ce que nous faisons est spirituel. Et nous croyons que dès qu'un chroniqueur se tient là, devant vous, le Seigneur est là. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que là où deux ou trois sont réunis, Dieu siège au milieu d'eux. Donc si Dieu siège au milieu de nous ce soir, combien même nous ne sommes pas ensemble réunis dans un même lieu, j'ai envie de dire, il est là, prêt à nous parler. Et je vais peut-être vous donner, vous apporter quelque chose. Vous savez que le Seigneur, la voie par laquelle il passe le plus pour me parler, c'est moi-même. En fait, à chaque fois que je prêche, le Seigneur me parle. L'apôtre Alain Patrick Tsengue a écrit un livre qui s'appelle « Comment entendre la voix de Dieu ?» et il explique dans ce livre-là que Dieu est esprit, n'est-ce pas ? Et la Bible dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Si Dieu est esprit, ça signifie
que le plus souvent, Dieu va nous parler au travers de notre témoignage intérieur, au travers de notre esprit. Et peut-être que si tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu, Dieu va passer par d'autres personnes, par d'autres choses pour te parler. Lorsque tu ne sais pas entendre Dieu te parler directement, il va passer par quelqu'un d'autre. Lorsqu'on allait dans un pays et qu'on ne maîtrisait pas la langue, il y avait des interprètes qui étaient là pour traduire ce qu'on disait. Tant que tu ne sais pas entendre Dieu au travers de ton esprit, de ton cœur, il passera par d'autres personnes pour te parler. Il utilisera ce qu'on appelle les interprètes. Parce que tu ne comprends pas le langage spirituel, Dieu utilise des hommes pour te parler. Mais ce n'est pas parce que Dieu te parle directement au travers de ton esprit qu'il ne peut pas également utiliser des hommes pour te parler. Parce que parfois, la communication que nous avons avec Dieu est biaisée par notre corps ou notre âme. Et le Seigneur vient par des prophètes, par des autorités, des leaders, confirmer peut-être le message qu'il nous a dit en privé. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu t'a parlé, mais que ton leader n'a pas confirmé ce que Dieu t'a dit, continue de prier. Parce que ce n'est pas forcément Dieu qui t'a parlé. Ou peut-être que Dieu t'a parlé, mais il faut également le temps que Dieu parle à ton leader pour que le leader confirme. Et c'est ça la sagesse. Si Dieu te parle et qu'il te dit quelque chose, il faut valider la parole de Dieu. Même lorsque vous lisez un verset biblique dans la Bible, vous devez étudier d'autres versets bibliques qui rejoignent ce que ce même verset biblique que vous avez lu au départ va dire. Ok ? Et donc, Dieu aimerait te parler à toi, individuellement, au travers de ton esprit, au travers de ton cœur. Mais tant qu'il n'arrivera pas à le faire, il passera par d'autres personnes pour te parler. Ok ? Donc, j'aimerais maintenant que tu puisses te concentrer et avec moi que tu fermes tes yeux et que tu commences à prier, que tu commences à parler à Dieu et dire au Seigneur, « Seigneur, je remets ce live entre tes mains. Seigneur, je m'attends à toi. » Beaucoup de personnes ne reçoivent pas dans la présence de Dieu parce qu'elles ne s'attendent à rien. Si tu ne t'attends à rien, tu ne seras pas prêt à recevoir. Si je ne m'attends pas à ce que quelqu'un me jette une balle de tennis, je ne vais pas pouvoir anticiper et attraper cette balle-là parce que je ne m'y attendais pas. J'ai été surpris à ce qu'on me lance cette balle-là. Mais si je suis prêt à recevoir la balle de tennis, regardez, même quand vous êtes prêt, si la balle vient trop rapidement et que vous n'avez pas la force ou l'agilité nécessaire de la réceptionner, il se peut même que combien même vous êtes prêt, vous n'arrivez pas à le faire. Il y a des enfants de 5 ans, vous leur lancez une balle de tennis, ils ne vont pas la réceptionner parce que c'est peut-être trop rapide pour eux, leur corps ne leur permet pas de réceptionner une balle de tennis qui va aussi rapide. Mais si vous la lancez plus lentement et plus proche de l'endroit où ils sont prêts à recevoir de leurs mains, en l'occurrence, là, ils peuvent recevoir. Il y a même des chrétiens qui sont prêts à recevoir dans la présence de Dieu, mais qui ne reçoivent pas. Parce qu'ils pensaient recevoir à un endroit, mais Dieu parle d'une autre manière. Je donne un exemple. Vous pensez que la balle de tennis, on va la jeter à droite, vous vous mettez à droite. Sauf que Dieu la lance à gauche. On va expliquer ça clairement pour que vous compreniez. Dieu veut te parler du mariage. Mais toi, comme tu pensais que Dieu allait te parler de la foi, tu t'attardes uniquement sur les mots que le chroniqueur où le pasteur va dire sur la foi. Et quand Dieu parle du mariage, toi tu es à droite au lieu d'être à gauche. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Beaucoup de chrétiens pensent recevoir une parole qui va les libérer de leurs problèmes de loyer, de leur coupe, de leurs finances. Et quand la personne qui se tient devant ne parle pas de ça, ils pensent qu'ils ne peuvent pas recevoir. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à droite. Et ne pensent pas que Dieu peut leur donner quelque chose à gauche. Je ne sais pas si cette image de droite et gauche, vous la comprenez. Et dites-moi sur le chat également si vous comprenez cette image, ok ? Mais tout ça pour vous dire que pour recevoir de Dieu, il faut être prêt. Je sais que dans cette intro, j'ai pris pas mal de temps à vous expliquer avant qu'on prie justement cette chose-là de préparation. Mais soyez prêts à recevoir de Dieu. Amen. Et j'aimerais qu'on prie maintenant. On va fermer nos yeux, on va prier ensemble pour disposer nos cœurs et dire au Seigneur, « Seigneur, parle-moi ce soir. Je refuse de me connecter, de venir à ce live sans que ma vie change, sans que ma vie ne soit transformée. Et j'aimerais maintenant que tu commences là où tu te trouves à prier, à parler à Dieu, à lui dire que tu as soif de lui, à lui dire que tu aimerais qu'il te parle, que tu aimerais un nouveau toucher, un toucher particulier ce soir. Donc élève ta voix, commence à prier. Alléluia, merci Père éternel, je te bénis papa pour ce live, pour cette émission. Évangile TV Live sur le thème « Conquérir par la foi ». Je viens prier maintenant
afin que toutes les personnes qui sont connectées puissent être disposées à recevoir ta parole dans une bonne terre. Je déclare que même les personnes qui ne sont pas en direct, mais qui sont peut-être en replay et qui ont cliqué sur cette vidéo et qui sont tombées dessus, qui écoutent cette vidéo, je prie qu'au travers les paroles qui vont être libérées dans quelques instants, leur vie puisse être totalement changée dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci parce que tu les localises ce soir. Tu les localises là où ils se trouvent. Tu localises tous les internautes afin que cette émission puisse être mise en avant sur YouTube, puisse être mise en avant, que tes anges ramènent davantage de personnes sur ce direct au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare dans le nom de Jésus que toute personne qui se connecte à ce live, à ce direct, est totalement remplie du Saint-Esprit dès lors qu'elle entend ce qui est dit dans ce live au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci parce que nous remettons ce live entre tes mains. Nous le recommandons entre tes précieuses mains. Nous croyons que ta gloire est là. Nous croyons que ton esprit est là. Nous le savons et nous le croyons. Merci Saint-Esprit parce que tu nous parles ce soir. Tu parles à chacun d'entre nous, moi le premier. Qui est ton serviteur ce soir que tu utilises pour parler à chacun des internautes? Tu me parles Seigneur, moi le premier. Et tu parles à tes enfants, tu parles à toutes les personnes qui sont connectées, qui ne te connaissent peut-être pas, toutes les personnes qui veulent conquérir par la foi, qui ont été intriguées par ce thème, quel que soit leur âge, quelle que soit leur nature, pas leur nature, mais quelle que soit leur origine, tu leur parles, Seigneur. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus qu'au travers de ce live, certains d'entre eux rentreront pleinement dans leur destinée, rentreront pleinement dans leur appel. Je déclare qu'au travers de ce live, il y a un courage, une force et une hardiesse qui descend en eux. Parce que tu leur as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je déclare que ce soir, ils grandissent en sagesse. Ils grandissent en grâce. Ils grandissent dans leur quantité d'amour qu'ils ont pour toi et pour leur prochain. Merci Seigneur Dieu, parce qu'au travers de ce live, les vies sont transformées et changées. Et l'onction de Dieu localise maintenant toutes les personnes qui te prient, qui te cherchent et qui veulent être prêts à rentrer dans ta présence, qui veulent être prêts à recevoir tes paroles. Alléluia, merci pour ta présence manifeste ce soir, parce que ton onction est palpable. Nous ressentons l'onction sur ce plateau. Et je déclare que cette même onction qui est là, là où il y a ta présence, vient toucher les cœurs de toutes les personnes qui m'écoutent maintenant, toutes les personnes qui sont connectées à cette émission. La puissance de Dieu remplit leur voiture. La puissance et la présence de Dieu remplissent leur appartement, leur maison, l'endroit dans lequel ils se trouvent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur Dieu pour ces puissants moments que nous passons avec toi. Nous sommes reconnaissants, nous te remercions et nous te rendons toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, amen. Alléluia, amen, amen. Ce live commence, ce n'est pas une prière finale, mais bien une prière qui annonce le début d'une émission glorieuse et puissante qui va impacter votre vie. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, cette émission va impacter votre vie. Et si j'étais à ta place, tu as peut-être partagé il y a quelques instants, je prendrai encore quelques secondes, une minute ou deux, pour continuer à partager. Tu peux partager cette émission sur WhatsApp, sur Telegram, sur Facebook, j'allais dire Skyblog, si tu as encore Skyblog, MSN, okay, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, mais maintenant, cette émission en story. Je vais faire une capture d'écran, vous allez faire une capture d'écran et moi je vais faire une petite pause, ok? Et vous allez prendre un screenshot, une capture d'écran que vous posterez sur toutes vos stories, sur tous vos réseaux sociaux. Et je vous invite à dire, c'est maintenant, on commence. Conquérir par la foi. Vous mettez conquérir par la foi en direct avec Julien Fab, ok? C'est maintenant 3, 2, 1, je veux voir vos décomptes. Mettez 3, 2, 1 dans les commentaires. Je veux voir vos décomptes. Faites la capture d'écran. C'est maintenant conquérir par la foi. Très bien. Gloire à Dieu. Je pense que vous avez eu le temps de faire la capture d'écran, le screenshot comme on dit. Si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez cliquer plusieurs fois en arrière et YouTube va vous, voilà, vous remettre un petit peu dans le passé, dans le passé de cette vidéo. Amen. Pour voilà, faire tout simplement votre capture d'écran. Gloire à Dieu. On va commencer conquérir par la foi. Okay, j'aime beaucoup mettre l'eau à la bouche, faire durer le suspense des intros, les temps de prière. Okay, mais c'est pour vous garder, j'ai envie de dire, en fait, regardez, on a du temps. Est-ce que tu peux dire sur le chat, on a du temps ce soir, on a du temps. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de jeunes, même moi, ça m'arrive, hein, mais j'essaie de travailler ça. On veut les choses rapidement, quickly, fastly. On aime les fast-food. On va aller dans un restaurant, on veut être servi rapidement.
et on ne veut pas profiter des moments. Ok? Avec Dieu, tu dois savourer le temps présent. Tu dois savourer la présence de Dieu. Tu dois te dire, même si, en fait, ça met du temps à commencer, c'est pas grave, je suis bien parce que je suis dans la présence de Dieu. Et ce serait trop facile, trop simple. Si tout mon savoir, tout le temps que j'ai préparé, que j'ai passé à préparer ce message, je vous disais juste une phrase, « Salut, je m'en vais, l'émission est terminée », ce serait trop facile. On a du temps, mais sur le chat, on a du temps. On a du temps ensemble. Ok, donc le thème ce soir, conquérir par la foi. Nous allons donner la définition d'un conquérant, deux définitions d'un conquérant. Et je t'invite à prendre des notes et à également interagir avec moi sur ce chat. Alléluia. Tu peux dire amen, tu peux dire ce que tu ressens, etc. sur le chat en direct. Amen. Qui fait, donc définition du conquérant. Le conquérant est une personne qui fait ou a fait des conquêtes par les armes. Première définition, vous pouvez trouver ça sur internet, c'est Larousse, et je vais vous donner deux définitions. Qui a fait ou qui fait des conquêtes par des armes? Ok? Donc c'est la première définition d'un conquérant. Très bien. Deuxième définition du conquérant, ou qu'on peut trouver d'un conquérant, c'est une personne qui séduit les cœurs et les esprits. J'aime beaucoup également cette définition-là, parce qu'on parle de cœur, on parle d'esprit. Ok? Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose, et beaucoup d'entre vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est mon point de vue et c'est moi qui le pense. Très bien. Selon moi, Jésus-Christ est le plus grand des conquérants que l'humanité n'a jamais connu. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, vous allez me dire, oui, mais Jésus-Christ n'est pas un conquérant parce que selon la définition que tu viens de donner, un conquérant est quelqu'un qui a fait des conquêtes ou qui fait des conquêtes par les armes. Très bien, mettez ça de côté pendant quelques instants et on va y venir. Deuxièmement, c'est une personne qui séduit les cœurs et les esprits. Sur Terre, dans toute l'histoire de l'humanité, beaucoup de personnes ont conquis des territoires par la force. Le seul, ou l'un des seuls, mais je pense même que c'est le seul, qui a conquis des territoires et des cœurs, non pas par la force, mais par l'amour, c'est Jésus-Christ. Si vous êtes objectif, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, sur la plupart des continents, sur cette terre, dans la terre dans laquelle nous sommes, pratiquement tout le monde a entendu parler de Jésus-Christ. Lorsque je dis tout le monde, vous allez en Australie, il y a des chrétiens, des gens qui ont entendu parler de Jésus, il y a des églises en Australie. Lorsque vous allez en Amérique latine, vous-même qui me regardez, vous êtes peut-être dans les Caraïbes, au cas où dans les Antilles, vous savez qu'il y a des églises là où vous vous trouvez. Et à la base, c'est parti de Jérusalem, c'est arrivé jusqu'au Canada. Jusqu'au continent américain, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, jusqu'en Australie, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Des milliers d'années après la venue de Jésus, on entend encore parler de Jésus. Et j'ai même envie de dire, les gens continuent à accepter Jésus dans leur vie, des milliers d'années après. On pense que le plus grand territoire qui a été conquis sur la terre, c'est peut-être l'Empire mongol, l'Empire de l'URSS, l'Empire britannique, ok, colonial. Ou peut-être l'Empire de Napoléon, l'Empire des Romains, mais le plus grand empire, en réalité, c'est celui de Christ. Parce que donnez-moi un endroit sur Terre où il n'y a pas des chrétiens. Peut-être que les États n'appartiennent pas à Jésus, mais nos corps, nos âmes, nos esprits lui appartiennent. Amen. Et Dieu a tout créé. En fait, j'aimerais vous dire que Dieu est le plus grand des conquérants. Amen. Dieu est le plus grand des conquérants. Écoutez-moi bien. Peut-être que les armes de Jésus n'étaient pas des armes charnelles, physiques, des épées. Mais Jésus avait d'autres armes, je vous le dis. Il y a une expression, un dicton qui va dire avoir plusieurs cordes à son arc. Jésus avait plusieurs cordes à son arc. Je vous dis la vérité. Et on le verra d'ici quelques instants. Les armes que nous avons, même si elles ne sont pas charnelles, elles sont tout autres. Elles sont spirituelles. Mais on va y venir. Amen, on va y venir. Jésus a dit quelque chose de merveilleux. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 16, au verset 18. Matthieu chapitre 16, au verset 18. On peut également l'afficher si les techniciens, la régie peut l'afficher. Ok, et vous pouvez le prendre chez vous. Et moi, je te dis, c'est Jésus qui parle à Pierre ici. Ok. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour... Oh là là, c'est Siri qui s'est activé. Je sais pas, il m'a même surpris. Ok. Et moi, je te dis
que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Très bien, on va continuer à lire, je vais vous expliquer quelque chose. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Très bien, on va expliquer le contexte. Pour expliquer le contexte, à un moment donné, Jésus parle à ses disciples et Pierre va dire quelque chose. Il va dire « Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. » Et Jésus va dire à Pierre « Si tu sais que je suis le Fils de Dieu, c'est parce que Dieu te l'a révélé. Si Dieu ne te l'avait pas révélé, tu ne saurais pas que je suis le Fils de Dieu. » Ok ? Très bien. Ensuite, Jésus va dire à ce même Pierre « Tu es Pierre et sur le roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Très bien. Ensuite, ce même Pierre qui a eu la révélation que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, quelques versets plus tard, il va dire « Non Seigneur, tu ne mourras pas. » Sauf qu'il n'avait pas compris que c'était le plan de Dieu pour Jésus. Et Jésus va le dire « Arrière de moi, Satan !» Il va lui dire « En réalité, tu n'as pas les pensées de Dieu. » En d'autres termes, Dieu a utilisé Pierre pour qu'il ait la révélation et qu'il comprenne que Jésus était le Messie. Quelque temps plus tard, la Bible nous dit que Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan !» Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important dans ce passage, c'est cette phrase-là lorsque Jésus dit à Pierre « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Lorsque vous étudiez l'histoire, vous comprenez que l'Église n'a pas été inventée par Jésus. Si l'Église avait été inventée par Jésus, Jésus n'aurait pas dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Jésus aurait dit « Je bâtirai l'Église. » Mais Jésus n'a pas dit « Je bâtirai l'Église. » Il n'a pas inventé un mot. Il a repris un mot que les Grecs employaient et utilisaient à l'époque. Le mot « Église » vient du grec « Ecclesia ». Beaucoup de personnes ne voient pas où je veux en venir et ils me disent « Mais c'est quoi le rapport entre Pierre, Jésus, tout ça ?» et justement l'Église et la conquête, conquérir par la foi. Très bien. Nous avions dit qu'un conquérant est celui qui fait ou qui a fait des conquêtes par les armes. Ou alors que c'est une personne qui séduit les cœurs et les esprits. Très bien. Le mot « Ecclesia » a été repris par Jésus et Jésus a dit à ses disciples sur cette pierre « Je bâtirai mon Église, son Église. » Le mot « Ecclesia » en grec, okay, qui a donné « Église » en français, c'est un mot, un terme qui signifie « assemblée de citoyens » dans les cités grecques. Et l'une des personnes qui justement amenait les Ecclésias, c'était Alexandre le Grand. Un des plus grands conquérants que l'histoire n'ait jamais connu, Alexandre le Grand. Et lorsqu'il allait à un endroit, il créait ce qu'on appelle des Ecclésias. Il venait par l'épée, il naviguait, ok, de territoire en territoire. Il tuait les gens et il créait ce qu'on appelle des églises. Très bien, des Ecclésias. Et il donnait à tous ceux qui se soumettaient à lui une nationalité, une citoyenneté. Très bien, les Romains ont même repris ça. Ils venaient dans des endroits, ils faisaient des esclaves. Et j'ai même envie de dire, bon, c'est surtout les Grecs, hein. Très bien, c'est surtout les Grecs. Jésus parle ici du mot « Ecclésia ». Ce mot-là renvoie à le champ lexical de l'armée, de la guerre, de la conquête. Et vous devez le comprendre. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église, une assemblée d'individus qui me suit, qui suit mes enseignements, qui suit ma doctrine, mes disciplines. » Et je hais... Sur pierre, sur cette roc, je bâtirai mon église. Très bien. On va maintenant aller lire deux autres versets bibliques pour que vous compreniez. Je suis encore dans l'introduction de l'introduction. Ok ?
Gloire à Dieu. On va lire maintenant Hébreux chapitre 10, du verset 24 jusqu'au verset 25. Amen. Hébreux 10, ok, Hébreux chapitre 10, du verset 24 au verset 25. Alléluia. On va lire ce verset ensemble. Vous pouvez ouvrir votre Bible ou également lire le verset qui s'affiche. Amen. Veillons les uns sur les autres. Très bien. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ok ? Donc ici, il est dit, veillons. Ok ? La Bible dit, veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ça signifie que déjà à l'époque, il y avait des personnes qui fuyaient les églises et qui partaient des églises, qui partaient des assemblées. Très bien. En fait, regardez. On va maintenant lire Actes 2, 46 à 47. Ok ? Actes 2, 46 à 47. Et la Bible dit, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. La Bible nous dit quoi ? Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. J'aimerais expliquer quelque chose par rapport à l'église. L'église vient du mot grec ecclésia. Ecclésia renvoie au champ lexical de l'armée, de la conquête, de tout ce qui est militaire. Jésus nous parle justement du fait qu'il va bâtir son église. Et il nous renvoie justement à ce champ lexical-là du combat, de la conquête, du fait de conquérir. Jésus ne nous demande pas de prendre les armes et de tuer les gens. Ce n'est pas ça. Jésus lui-même ne l'a pas fait. Et un chrétien n'est pas censé tuer quelqu'un. Mais la conquête ici dont il est question, à laquelle Jésus fait allusion, c'est justement cette conquête-là, de faire en sorte que toutes les personnes sur terre reconnaissent Jésus et l'acceptent dans leur vie. C'est de cette conquête-là dont il est question. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, le livre qui est le plus vendu sur terre, c'est la Bible ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est le livre qui est le plus vendu sur terre. Et jusqu'à preuve du contraire, bon, ça fait longtemps que je ne me suis pas renseigné là-dessus, mais lorsque vous rassemblez toutes les branches du christianisme, la religion numéro une sur terre, peut-être que je dis des bêtises, hein, mais c'est, ok, vous vérifierez à la maison, c'est justement le christianisme. Même en Chine, c'est le pays où il y a le plus de chrétiens sur terre, je crois. Et c'est même également le pays où il y a le plus de non-croyants sur terre. Après, vous me direz, ils sont quand même très nombreux, ok, en Chine. Mais le truc, c'est quoi ? C'est que aujourd'hui, nous sommes sur terre en majorité chrétiens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dites-moi quel peuple, quel empire, quel royaume a eu plusieurs milliards de membres dans ce royaume-là et dans cet empire. C'est pas possible, c'est du jamais vu. Et Jésus est le plus grand des conquérants. Je continue de le dire et je continuerai de le dire. Mais on a vu tout à l'heure que les armes dont il est question et dont nous devons prendre, ce ne sont pas des armes charnelles, ce ne sont pas une épée. Quoique, la Bible nous parle de l'épée comme étant la parole, n'est-ce pas ? Ça signifie que ta parole dans le monde spirituel est semblable à une épée. Amen. Et Dieu nous demande de combattre à genoux, en priant. Et la prière est la plus grande arme du chrétien. Je vous dis la vérité. Si vous voulez être un conquérant pour le royaume de Dieu, ça va vous demander d'être un homme ou une femme de prière. Parce que cette conquête dont il est question, c'est une conquête qui est spirituelle. Amen. C'est une conquête qui est spirituelle. Et on va revenir à nos moutons, on va reparler de l'église. Amen. L'église, ok, il y a l'église, bâtiment, à dissocier de l'église comme étant l'assemblée, le corps de Christ, comme vous le connaissez.
Ok? La Bible nous dit que l'Église est l'épouse de Christ, la fiancée du moins. Amen. Donc, l'Église n'est pas juste un bâtiment. L'Église est un regroupement de personnes. On parle même du corps de Christ. Très bien. Le corps de Christ est différent du bâtiment. Amen. Lorsque vous allez à l'église, être membre d'une église, ce n'est pas être membre d'un bâtiment. Et lorsqu'on parle d'église, on parle également de famille spirituelle. Si Jésus dit « Je reviendrai chercher mon épouse, la fiancée, l'église, le corps de Christ », ça signifie que si on parle d'épouse, on parle d'alliance, on parle de famille. Parce que quand vous êtes membre d'une famille, j'ai envie de dire « Il y a une alliance ». Ok ? En fait, regardez, il y a un lien de sang qui est plus fort. Regardez, les membres de vos familles, vous avez un lien avec eux qui est plus fort que le lien que vous avez avec vos amis. Pourquoi ? Parce que les membres de vos familles ont le même sang qui coule dans leurs veines que dans le vôtre. Vous avez le même sang. J'ai même envie de dire, votre apparence, votre taille, votre corpulence, votre couleur de peau est liée au chromosome qu'il y avait chez vos parents. Vous n'êtes pas là, vous ne naissez pas dans une famille, vous ressemblez à personne. Vous êtes obligé de ressembler au moins à la mère ou peut-être même au père. Ok ? Admettons que votre père soit votre réel père. En tout cas, c'était une petite blague. Très bien. Mais tout ça pour vous dire que ce que vous êtes naturellement, ok, va dépendre de vos ancêtres. Et j'ai envie de dire, le sang qui coule dans vos veines et le sang qui coule dans les veines de vos parents, ils vous ont communiqué ce sang-là, n'est-ce pas ? Ce qui signifie que une famille, la famille dans laquelle vous êtes, ce n'est pas juste la maison dans laquelle vous vous trouvez, l'appartement dans lequel vous vous trouvez. Et combien même vous partez de chez vos parents, vous restez membre de la famille. J'aimerais dire quelque chose aux chrétiens et leur rappeler une chose. Une église, une assemblée est avant tout une famille spirituelle. Beaucoup de personnes changent de famille comme de chaussettes. Dieu crée des cadres. Il a créé des cadres. Lorsqu'un enfant naît, la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'il grandisse dans cette même famille. Et ce n'est pas qu'il quitte la famille pour aller dans une autre. Si un enfant naît et qu'il grandisse dans une famille autre que la sienne, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas censé se passer. Soit les parents l'abandonnent, soit les parents décèdent. Et l'enfant se retrouve dans une famille d'accueil. Et lorsqu'un enfant se retrouve dans une famille d'accueil, il n'est pas censé changer encore de famille. Le but, c'est qu'il y reste. Écoutez-moi bien. Lorsqu'un chrétien naît dans une famille, Dieu veut qu'il reste là. Amen. J'aimerais donner un exemple très poignant pour que vous compreniez. Ok ? J'aimerais donner l'exemple justement du PE Linda, ok, qui est en Martinique actuellement. Peut-être qu'elle me regarde et je te salue. Et du responsable de la mission, ou du moins la mission qui a été reprise par... On peut l'acclamer. Et un missionnaire, ok, mon fils spirituel ou l'un des personnes que j'ai encadré, ok, Damien. Et ces deux personnes-là sont des exemples. Parce que combien même ils sont allés dans d'autres pays, ou du moins même si la Martinique est rattachée à la France et que le PE Linda est parti en Martinique et Damien est parti au Canada, ils étaient membres de l'église ACER. Ils ne sont pas partis en se disant « Oh là là, je vais aller en Martinique, je vais aller au Canada, je vais devoir trouver une autre église parce que je ne suis plus à Paris, là où il y a l'église ACER. » Ok ? Parce qu'ils sont membres de l'église ACER, également l'église dans laquelle je suis membre. Ok ? Très bien. Ils sont partis en se disant mon église, ou du moins le bâtiment, n'est pas là en Martinique ou au Canada. Mais ils sont venus pour apporter un réveil. Et pour apporter justement, j'ai envie de dire, un nouvel élan à la famille. Parce qu'ils sont fils de l'ACER, ils sont allés en Martinique et au Canada en se disant, je suis fils, je ne change pas de famille, je suis dans une famille, je vais agrandir la famille. Amen. Ils se sont dit, je vais agrandir cette famille-là dans laquelle je suis. Et je vois venir certains chrétiens qui me disent, mais Julien, comment se fait-il du coup que si l'église est un corps, est une famille, il y ait plusieurs églises, avec plusieurs noms? Très bien. Vous avez des frères et sœurs, n'est-ce pas? J'ai également un grand frère et une petite sœur. Lorsque j'aurai des enfants, qu'ils auront des enfants, nous n'allons pas amener la même éducation à nos enfants. Je n'irai pas dire aux enfants de mon frère ou aux enfants de ma sœur comment est-ce qu'ils doivent les éduquer.
Et j'ai envie de dire, j'aurai ma maison, ils auront la leur. On ne vivra pas sous le même toit. Amen. On fait tous partie d'une seule et même grande famille qui est la famille Fab. Mais j'ai même envie de dire, ma sœur, lorsqu'elle se mariera, ne gardera pas le même nom de famille que moi. Elle prendra le nom de famille de son conjoint. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il y a plusieurs familles, plusieurs églises, mais toutes ont un but commun, celle de faire entendre parler de Jésus-Christ, celle de former des leaders, celle de former des disciples, des fils et des filles. Amen. Il y a plusieurs familles, mais dans une famille, on ne fonctionne pas tous de la même manière. Peut-être que dans ta famille, toi, tu vas corriger ton enfant en lui mettant des coups de ceinture ou en lui donnant des fessées. Mais je crois même qu'en France, aujourd'hui, c'est interdit. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire ou pas le faire. Chacun fait comme il veut. Chacun corrige ses enfants comme il le souhaite. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun décide comment est-ce qu'il va corriger et éduquer ses enfants. Si je suis le frère de quelqu'un, ok, je ne vais pas dire à mon frère comment il doit éduquer ses enfants. C'est lui le père de ses enfants et il les éduque comme il le souhaite. Ce qui signifie que dans une famille, c'est le leader qui impose comment est-ce qu'on éduque les enfants. C'est le leader qui donne, en fait, regardez, si je suis père d'une famille, ok, ou même j'ai envie de dire je suis marié, j'ai une femme, très bien. C'est nous qui choisissons ce que nous donnons à manger à nos enfants. Si quelqu'un rentre chez toi et qu'il dit « Ah, mais tu devrais donner de la salade verte à tes enfants. » J'ai envie de dire, c'est toi qui donnes l'éducation que tu souhaites à tes enfants. Parce que tu connais tes enfants et tu sais ce qu'ils ont besoin. Celui qui te dit « Oui, mais ton enfant a besoin de manger de la salade. » En fait, il ne connaît pas ton enfant. Regardez, tu peux venir dans une famille et dire « Ah, mais tes enfants, ils devraient manger des légumes. » Mais, écoute-moi bien, si les enfants... Il y en a un qui a des allergies. Il y a certains aliments qu'il ne pourra pas manger. Un parent connaît son enfant. Il sait ce qu'il a besoin de manger. Amen. En d'autres termes, c'est le père, c'est la mère dans une famille qui détermine ce que l'enfant a besoin de manger et ce qu'il doit manger. Imaginez maintenant que vous êtes là, père d'une famille. Votre voisin vient chez vous et dit « Ok, bah ce soir vous allez manger ça. » Et vous vous dites « Ok, on va manger ça. » Vous imaginez un peu? Donc, il y a plusieurs familles, mais toutes ces familles-là regroupent la famille du corps de Christ. Amen. Et ça, vous le devez le comprendre. Très bien, on va avancer. Donc, la façon de faire, l'éducation, les aliments, la nourriture que l'on mange est différente d'une famille à une autre. Vous ne pouvez pas aller en Asie ou dans certains pays avec une culture et leur dire « il faut manger ça ». Si tu manges du bœuf ou de la vache dans certaines cultures, on va te massacrer parce que c'est sacré pour eux. Si toi, tu viens et que tu leur dis « on doit manger ça », ils vont t'embrouiller. En fonction des cultures, en fonction de certaines choses. En fait, regardez, il y a la culture du royaume qui nous est commune. Mais la façon de faire ne sera pas la même. La façon de préparer, de cuisiner ne sera pas la même. Ok? Et tu fais même en fonction des aliments que tu trouves dans l'endroit où tu es. On ne mange pas les mêmes choses en Europe qu'en Asie, qu'en Afrique, qu'en Océanie. Parce que j'ai envie de dire, les ingrédients ne sont pas les mêmes. Les aliments ne sont pas les mêmes et n'ont pas le même goût. Spirituellement, c'est la même chose. Très bien. Donc, l'éducation des enfants peut différer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une éducation commune à respecter, celle de faire en sorte qu'un chrétien doit gagner des âmes. Un chrétien doit prier. Et avant de faire tout cela, un chrétien doit aimer Dieu. Plus que tout, parce que Jésus nous a demandé de le faire. Amen. Et c'est à cela qu'on... En fait, Jésus dit, c'est à cela qu'on remarquera que vous êtes mes disciples. Si vous m'aimez, si vous gardez mes commandements et que je suis en vous, c'est ce que Jésus va dire. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous m'aimez, ok, et que mes paroles demeurent en vous. Et si les paroles de Christ demeurent en nous, ça signifie que dans nos agissements, dans notre attitude, dans notre fonctionnement de faire les choses, on va voir Christ. Amen. On va voir Christ. Et dans ta vie, on doit voir Christ. Très bien. Nous allons reprendre et continuer à dire ce que nous étions en train de dire. Jésus est le plus grand des conquérants. Amen. Mais Jésus n'a pas pris les armes. Ok? Mais a pu conquérir par l'amour, par des prodiges et par des miracles.
Je viens de dire que Jésus n'a pas pris des armes, mais en réalité, Jésus a pris des armes. Et comme je l'ai dit il y a quelques instants, et là, on va s'attarder dessus, Jésus a pris des armes, mais pas n'importe lesquelles. Des armes spirituelles. Amen. Jésus n'a peut-être pas combattu comme d'autres conquérants, avec des épées, avec des flottes, avec des navires. Mais Jésus s'est battu avec des armes spirituelles. Jésus s'est battu par l'amour, par la prière, par le bien qu'il faisait autour de lui. Et les gens le suivaient. Et Jésus était un grand leader. Et Jésus est un grand leader. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens. Ok, on peut également me l'afficher, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 4. Ok. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Wow, my God. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Très bien. On va s'attarder là-dessus. Et j'aimerais vous faire mon témoignage et vous parler un petit peu de comment je pensais avant et de comment je pense maintenant. Très bien. Lorsque j'étais plus jeune, je pensais qu'un homme était fort en fonction de sa condition physique. Je vous donne un exemple. Plus un homme était grand, plus il était musclé, plus il était autoritaire, plus il était violent. Pour moi, ça faisait de lui quelqu'un de fort. Et je pensais que pour être fort, pour qu'un homme soit fort, il fallait qu'il soit très grand, très musclé, qu'il sache se battre. Ok ? Comprenez qu'il y a plusieurs types de force. Mm-hmm. Tu peux être fort physiquement, mais ce n'est pas parce que tu es fort physiquement que tu es fort spirituellement. Il y a beaucoup d'hommes forts qui meurent. Combien même ils sont grands, combien même ils sont forts, musclés, ils meurent. Leur esprit et leur âme sont un jour séparés de leur corps, n'est-ce pas ? Ok ? Et j'ai grandi dans cet environnement-là où pour qu'un homme soit fort, il doit savoir se battre, etc. Au point où, pour un manque de respect, on pouvait se battre. Si on nous regardait mal ou on nous parlait mal, on pouvait se battre. Même si on était jeune, en primaire, collège, on commençait à se battre. Lorsque nous étions au lycée avec mon groupe d'amis, tous les midis, nous fermions les portes des classes, des salles de cours, pendant la pause, et on faisait des corps à corps. On apprenait à se battre. On s'entraînait. On se battait entre nous. Ok ? Parce qu'on pensait que si on veut être fort, si on veut amener, on veut amener les gens à nous respecter, à nous écouter, il faut être fort, physiquement. Il faut être autoritaire, il faut être musclé, il faut être violent, il faut être grand. Et c'est ce que je pensais. Seulement, quelqu'un qui est physique, il ne peut pas se battre contre le vent. Beaucoup de personnes, vous allez en salle de sport pour vous muscler, vous vous entraînez pour vous battre, mais la nuit lorsque vous dormez, j'ai envie de dire, vous êtes, comment je peux dire ça ? On peut vous atteindre. Tu peux être très fort, mais quand tu dors, si quelqu'un vient et qu'il te tue, tu ne pourras rien faire parce que tu dors. En d'autres termes, un être humain ou quelqu'un de naturel, okay, quelqu'un de physique, lorsqu'il dort, son corps dort. Et s'il a mis toute sa force dans son corps, tu peux faire ce que tu veux de lui quand il dort. Beaucoup de personnes, si les démons vous embêtent la nuit, c'est parce que vous êtes peut-être fort physiquement parlant, mais spirituellement, vous êtes down. Et en fait, regardez, tu as beau être musclé comme quoi, grand comme quoi, si tu te bats contre quelqu'un qui est invisible, contre un esprit, tu es foutu. Beaucoup de personnes, les démons, le diable, font ce qu'ils veulent de vous parce que spirituellement, votre esprit n'est pas fort. Et j'aime beaucoup ce verset biblique qui va dire « Si le corps est faible, l'esprit peut le relever. Mais si l'esprit est faible, qui pourra le relever ?» Qui pourra le relever ? L'apôtre Alain Patrick Tsengue, mon père spirituel, que j'honore et que j'aime énormément, que j'admire,
a fait une série d'enseignements que je vous invite à aller voir sur YouTube. Vous tapez Esprit fort, apôtre Alain Patrick Singer. Vous allez trouver une série d'enseignements de plusieurs cultes avec plusieurs clés sur la force intérieure, la force de l'esprit. Ok ? Et des années plus tard, pour en venir à mon témoignage, à ce que je pensais, j'ai réalisé que l'homme le plus fort, ce n'est pas le plus grand, le plus musclé, mais que l'homme le plus fort, c'est celui qui craint Dieu et qui prie. Ah ! Si tu crains Dieu et que tu es un homme de prière, les gens voudront te tuer, ils ne pourront pas. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, Jésus n'était pas le plus musclé, quoique je pense qu'il était très musclé. Jésus n'était pas le plus grand, n'était pas le plus fort combattant physiquement. À l'époque, on parle des soldats romains. Les soldats les plus entraînés, ce n'est pas en fait, c'est pas des gars qu'on a pris dans la rue comme ça, c'est des soldats qui sont entraînés pendant des années. C'est leur métier de tuer. Ils viennent arrêter Jésus. Au moment où ils disent « Qui est Jésus ?», Jésus leur dit « C'est moi ». La Bible va dire que les soldats romains reculèrent et tombèrent par terre. Qu'est-ce qui a fait en sorte que des soldats qui ont tué des centaines, des milliers de personnes, armés, entraînés depuis des années, c'est leur métier de tuer, ils n'ont pas réussi à arrêter Jésus. Du moins, ils ont réussi à arrêter Jésus parce que Jésus s'est rendu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils viennent arrêter Jésus, Jésus leur dit « C'est moi ». Ils reculent et tombent par terre. Et ça arrivait deux fois. Et Jésus leur dit « Mais je vous dis que c'est moi, si c'est donc moi, venez, arrêtez-moi. » Si les soldats romains ont reculé et sont tombés par terre dès lors que Jésus a dit « C'est moi », c'est parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Jésus était un homme de prière. Lorsqu'il parlait, il y avait l'onction. Les anges étaient là. Jésus pouvait parler et dire aux anges qui étaient là de tuer tous les soldats en un rien de temps, ça aurait été fini. Mais Jésus ne l'a pas fait parce qu'il devait mourir à la croix. Pour toi, pour moi, pour nous. Amen. Tout ça pour te dire que, en fait, regarde, j'aime beaucoup ce témoignage-là d'un de mes pères, d'une personne que j'admire énormément, le pasteur Yvon Mouketou, qui est le pasteur responsable de l'église de ACR Lyon avec son épouse, le pasteur Tina Mouketou, ok ? Et ils font un travail formidable également à Grenoble, à Saint-Étienne, etc. Et un jour, j'ai entendu cela, le pasteur Yvon nous en parlait, quelqu'un a essayé de frapper, de mettre une claque au pasteur Yvon. La personne qui a essayé de taper le pasteur Yvon, il y a quelque chose qui a retenu son bras. My God, je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, les gens vont venir pour essayer de te taper. Mais parce que Christ est en toi, parce que tu es un homme de prière, parce que la puissance de Dieu habite en toi, lorsque les gens voudront te taper, les anges vont retenir leur coup. Les gens vont essayer de te tuer, ils ne pourront pas. Ah, my God, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais qu'est-ce qui fait ça lorsque l'esprit est fort? Amen. Lorsque l'esprit est fort, si ton esprit est fort, les gens pourront essayer de te taper, ils n'y arriveront pas. Je te dis la vérité. Ok? Et j'aimerais donner un autre exemple rapidement, avant de parler justement de la foi et rentrer pleinement dans ce merveilleux thème. Lorsque j'étais au lycée, je devais faire un exposé en anglais, un devoir maison, un exposé, à rendre à mon professeur en anglais, sur un héros. Ok? Un héros. Et on devait le faire en espagnol et en anglais. Ok? Et on devait faire cet exposé-là, à rendre justement en espagnol et en anglais. Et en espagnol, je ne sais plus qui j'avais choisi, mais en anglais, j'avais choisi une personne. J'avais vu un film qui m'avait marqué. Et je me suis dit, je vais parler de cette personne-là pour faire mon exposé. Et cette personne-là est une personne qui est partie en guerre. C'était un soldat américain appelé Desmond Doss. Et on a même fait un film sur lui qui s'appelle « Tu ne tueras point ». Si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite à regarder ce film. Quoique c'est un film de guerre, donc âme sensible s'abstenir, si je puis dire. Et pour vous parler de cet homme-là, cet homme est parti en guerre. Et cet homme était chrétien. Il voulait partir en guerre. Il s'est porté volontaire. Mais il a dit à ses commandants, à ses supérieurs, à toute l'armée américaine, « Je vais aller en guerre, mais je ne veux pas apprendre à manier une arme et je ne veux pas tuer des gens. » Les gens l'ont regardé. Ils se sont moqués de lui, ils ont dit « Mais tu viens pour faire quoi alors ?» Il a dit « Je veux participer à la guerre. »
mais je veux participer de la guerre à ma manière. Je suis chrétien, je ne tue pas les hommes. Écoutez bien l'histoire de ce monsieur. Il est parti en guerre, on a voulu le mettre en prison. On a voulu justement le décourager pour qu'il abandonne et qu'il n'aille pas en guerre. Lorsqu'il était en temps de formation, ses supérieurs l'ont mis en prison. Ses coéquipiers, en fait, l'insultaient et le persécutaient parce qu'il venait, il voulait aller avec eux en guerre, mais il ne voulait pas apprendre à manier une arme et à tuer leurs ennemis. Et donc, il a été la risée. Les soldats américains se sont moqués de lui. Tout le monde s'est moqué de lui. On l'a tabassé. On a voulu le mettre en prison. Il s'est dit, non, je ne vais pas abandonner, je vais aller en guerre. Mais je ne veux pas prendre une arme. Et il est parti en guerre, je pense que c'était la Seconde Guerre mondiale ou au Vietnam. Et cet homme-là, avant chaque bataille, mettait les genoux au sol et priait. Et à chaque fois que les grenades, les mines, les bombes, que c'est, j'ai envie de dire, les membres, les soldats américains se faisaient tirer dessus, ok ? À chaque fois qu'il voyait quelqu'un se faire tirer dessus, il prenait cette personne sur son dos et il l'a ramené à la base. En fait, on parle de quelqu'un qui va dans une guerre sans armes. Un infirmier, en sachant que dans les guerres, les ennemis tiraient sur les infirmiers parce que s'ils combattaient, s'ils tuaient les infirmiers, il n'y avait personne pour secourir toutes les personnes qui se sont fait tirer dessus ou qui ont reçu des grenades, des mines, qui sont dans un sale état. Et ce gars-là est parti en guerre sans armes pour sauver ses coéquipiers, ok ? Et avant chaque bataille, il priait. Écoutez-moi bien, et vous verrez ça peut-être dans le film si vous avez l'occasion de le regarder. Avant chaque bataille, ses coéquipiers, les soldats américains, attendaient qu'ils finissent de prier pour aller en guerre. Et tous les soldats disaient, tant qu'il n'est pas là, je ne vais pas me battre. Parce que si il est là et que je vais me battre, il pourra me secourir. En fait, je ne sais pas si vous réalisez l'impact que ce monsieur a eu. Non seulement il a fait la guerre, il a tué personne, mais il est revenu sain et sauf, vivant. Et il a sauvé plusieurs personnes, plusieurs soldats américains. Et beaucoup de soldats américains sont reconnaissants envers lui, parce qu'il leur, j'ai envie de dire, il leur a sauvé la vie. Ce monsieur est parti en guerre sans armes, mais ses armes étaient spirituelles. Et dans ce film, on le voit, l'acteur qui joue le rôle de ce monsieur, après avoir sauvé chaque homme, chaque soldat, il y retournait et sa prière était « Seigneur, aide-moi à sauver un autre soldat de plus. » My God, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aide-moi à sauver un autre soldat. Ce monsieur est parti en guerre. Il est revenu sain et sauf. Il a tué personne. Il a sauvé beaucoup de personnes. Amen. Mais ses armes étaient spirituelles. Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre conquérir par la foi et l'histoire de monsieur et tout ce que tu viens de dire depuis le début, Julien ? En fait, si Dieu est le plus grand des conquérants et que Dieu habite en toi, cela signifie que le plus grand des conquérants est déjà en toi. Le plus grand des conquérants est déjà en toi. Dans une armée, on a besoin de beaucoup de personnes. Dans une armée, il n'y a pas juste des personnes qui se battent. Il n'y a pas juste des généraux, des commandants, des sergents, des capitaines. Il y a des soldats, c'est vrai, mais il y a aussi des ingénieurs. Il y a les personnes qui construisent les chars. Il y a les personnes qui construisent les armes. Dans une armée, il n'y a pas que des gens qui combattent. Il y a aussi des gens qui gèrent tout ce qu'il y a autour, la logistique. Dans l'armée de Dieu, tout le monde est censé combattre par la prière. Et tu dois être un soldat de Dieu. Et pour être un soldat de Dieu, tu dois prier, tu dois déclarer. Parce que Dieu veut faire de toi un conquérant et il y a déjà un conquérant qui sommeille en toi, mais tu dois l'activer. Amen. Jésus nous a donné un ordre, celui d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques minutes de cela, on a lu un verset dans Actes 2, 46-47.
chaque jour avec persévérance. Ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que vous savez que lorsque... Beaucoup d'entre vous, peut-être que vous n'arrivez pas encore à combattre spirituellement, mais ça viendra. Amen. Mais on a besoin, le royaume de Dieu a besoin de personnes dans toutes les sphères de la société. Si tous les chrétiens arrêtent de travailler et arrêtent d'aller à l'école pour être chrétien et pour louer Dieu, pour être à l'église, qui va gagner ceux qui ne sont pas à l'église, à Jésus? En fait, je suis en train de te dire que Dieu t'appelle à être un soldat et un conquérant de son royaume dans toutes les sphères de la société dans laquelle tu es. On a besoin de soldats et de conquérants dans les finances. On a besoin de soldats et de conquérants dans les études. Qui va gagner les collégiens, les lycéens, les personnes qui sont à la fac, si tu n'y es pas et que tu ne leur apportes pas l'évangile? Jésus nous a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Allez faites de toutes les ethnos des disciples. Le mot ethnos qui a donné ethnie. Ce mot-là signifie groupe d'individus. Jésus t'appelle à faire de tous les groupes d'individus qu'il y a autour de toi, des soldats de son armée, des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si tu es spirituel, tu seras un très grand conquérant. Il y a un verset dans la Bible, je paraphrase, qui va dire Dieu est comme le vent. On ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il va, où il va. Est-ce que vous savez que quand vous êtes spirituel, le diable aura beau essayer d'anticiper vos mouvements, il n'y arrivera pas. Parce qu'un esprit est comme le vent. On ne sait d'où il vient et où il va. Tu peux te battre contre quelque chose de physique, de tangible. Tu peux taper quelqu'un, un homme, une femme qui a un corps physique. Mais quelqu'un qui est spirituel, essaye de le taper. Tout à l'heure, je vous ai dit que beaucoup... Les démons s'en prennent à eux, surtout la nuit. Et c'est là qu'ils ont des paralysies du sommeil, des troubles, ils font des cauchemars, que les démons s'en prennent à eux la nuit. Parce que justement, leur esprit n'est pas suffisamment fort. Quelqu'un qui est spirituel, même quand il dort, son esprit combat pour lui. Son esprit est en activité, l'esprit ne dort pas. L'esprit ne dort pas, ça signifie que si tu es spirituel, même lorsque tu dors, ton corps se repose, ton esprit ne dort pas. Tu ne dors pas, tu es en train de combattre. Tu es en train de prier. Tu es dans la présence de Dieu, combien même tu dors. On ne peut pas sans... Quelqu'un qui combat, même quand il dort, comment tu vas l'atteindre? Et quelqu'un qui combat avec l'Éternel des armées à ses côtés, essaye de l'atteindre. Ah! Tu ne peux pas t'en prendre à quelqu'un qui combat dans l'armée de Dieu et qui combat avec Dieu. Si Dieu est avec lui, ne cherche même pas à le combattre. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ok, sous prétexte qu'ils ne connaissent pas une personne, se permettent de parler sur lui. Je vais te donner un conseil. Si tu ne connais pas quelqu'un, ne parle pas sur lui. Aujourd'hui, au travers des médias, de la pub, des journaux, on se permet de parler sur les présidents, sur des joueurs de foot professionnels, sur des influenceurs sans les connaître. On ne connaît pas leur vécu, on se permet de parler. On voit une personne avec une belle voiture, on se dit « Oh, il a volé beaucoup de gens pour avoir cette belle voiture. » Du moins en France. Seulement, on attire ce qu'on respecte. Si tu ne respectes pas ceux qui réussissent, tu ne réussiras jamais. Parce que pour réussir, tu dois t'inspirer de ceux qui ont réussi avant toi pour réussir. Lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, on ne parle pas déjà un chrétien ne critique pas et ne parle pas négativement à l'égard de quelqu'un. Premièrement. Mais si tu parles mal et négativement à l'égard de quelqu'un qui combat avec Dieu, tu es foutu. Si quelqu'un a l'onction et que tu as le malheur de t'en prendre à lui, tu ne t'en prends pas à un homme, tu t'en prends à Dieu. My God, qu'est-ce qui me permet de le dire?
l'apôtre Paul persécutait les chrétiens. Sur le chemin de Damas, le Christ, Jésus, lui est apparu. Et Jésus lui a dit quoi ? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Jésus n'a pas dit, pourquoi est-ce que tu persécutes Pierre, Jean, les disciples ? Mais Jésus a dit, pourquoi me persécutes-tu ? Si quelqu'un s'en prend à toi, si tu marches avec Dieu, il va se frotter à Dieu. Tu as bien entendu. Si quelqu'un ose se frotter à toi et que tu es un soldat de l'armée de Dieu, que Christ habite en toi, dès lors qu'une personne se frotte à toi, qu'elle essaye de te nuire, ce n'est pas à toi qu'elle essaye de nuire, mais à Dieu. Et on ne peut pas nuire à Dieu. Tu ne peux pas combattre Dieu. Si quelqu'un essaie de combattre Dieu, il est foutu. Il est cuit. Tu ne peux pas combattre Dieu. Donc si Dieu est avec toi, sois tranquille. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Qui sera contre nous ? Les disciples n'avaient pas peur de la mort, n'avaient pas peur des pharisiens, n'avaient pas peur de ce qu'on peut dire sur eux. Mais ils persévéraient à annoncer l'évangile, à parcourir les villes, combien même on voulait les tuer, combien même on les traquait. Pourquoi ? Parce qu'il disait, nos légères afflictions ne sont rien comparées à la gloire qui va venir. Parce qu'ils avaient la révélation que tout ce qu'ils font pour Dieu, à chaque fois qu'on les persécute, à chaque fois qu'on parle mal d'eux, à chaque fois qu'on cherche à les nuire, la gloire qui va venir derrière est plus grande. Et je suis en train de dire à quelqu'un, si les gens se moquent de toi, s'ils t'insultent, si on te prend pour un fou, continue. Parce que le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, ce message est la puissance de Dieu. Amen. Dieu est plus grand que tout. Amen. On va lire un passage maintenant dans Éphésiens chapitre 2, du verset 19 au verset 20. Amen. Est-ce qu'on peut également me l'afficher, s'il vous plaît ? Éphésiens 2, chapitre 19, jusqu'au verset 20. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Très bien. Verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. » Au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'Alexandre le Grand parcourait les villes, okay, et les Grecs venaient et ils soumettaient les populations et leur donnaient la citoyenneté. Dès lors que tu acceptes Jésus dans ta vie, tu deviens citoyen du royaume de Dieu. Amen. Jésus permet aux gens de devenir citoyens de son royaume et de devenir enfants de Dieu. Amen. Si on parle d'un enfant, on parle d'héritage. Toutes les personnes qui ont conquis sur terre avaient des trésors. Si tu es le fils de Dieu, le fils d'un conquérant, ça signifie que tous les trésors qu'il y a dans le ciel et sur terre t'appartiennent. Ça signifie qu'il n'y a aucun endroit sur terre où on pourra te refuser l'accès. Tu as bien entendu. Si tu demandes les papiers, on ne te refusera pas les papiers au nom de Jésus, quel que soit l'endroit où tu voudras aller, parce que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Amen. Un conquérant apprend à ses enfants à se battre. Ils ont un enseignement particulier pour régner. Lorsque tu es enfant de Dieu, Dieu te donne un équipement, une onction et des enseignements pour t'apprendre à te battre et pour t'apprendre à conquérir et régner. Tu dois régner dans tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas la vie qui doit régner sur toi, mais toi qui dois régner sur la vie. Sur ta vie. Amen. Ce n'est pas leurs finances qui doivent dire ce qu'elles veulent dans ton compte.
Mais c'est toi qui dois dire à tes finances ce que tu veux. Les difficultés de la vie doivent parler moins fort que toi, tu ne leur parles. J'aime beaucoup ce schéma-là, où on dit qu'en réalité, un homme de prière ne dit pas à Dieu ses problèmes. Un homme de prière parle de son Dieu à ses problèmes. Beaucoup de chrétiens sont là et disent à Dieu, « Seigneur, j'ai plein de problèmes, aide-moi !» Sauf que Dieu n'attend pas que tu lui parles pour lui dire « J'ai plein de problèmes, aide-moi !» Dieu attend que tu lui parles pour lui dire « Seigneur, quel est le problème que je peux résoudre ?» Et c'est ce que Jésus faisait. Il y a une dimension dans la prière où tes problèmes sont pourvus parce que tu parles aux problèmes et tu les chasses. C'est ce que Jésus faisait. Il y avait la tempête. Il a dit à la tempête, calme-toi. Lazare était mort. Il a dit, Lazare, sors. Jésus parlait aux situations. Il y a une dimension dans la prière où dans ta vie, tout se passe tellement bien que tu dis à Dieu, Seigneur, conduis-moi vers des personnes qui ont besoin de toi. Et c'est ça un homme de prière. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, Seigneur, aide-moi. Viens-moi en aide. Un homme de prière, c'est quelqu'un qui plie le genou et qui dit à Dieu, « Seigneur, comment je peux t'aider ?» Il y a plusieurs dimensions dans la prière. Il y a une dimension où Dieu t'envoie vers d'autres personnes. Et c'est ça, un conquérant. Amen. Quelqu'un qui vient aider les personnes qui en ont besoin pour apporter l'amour dans leur vie, pour apporter la paix dans leur vie, pour apporter Jésus-Christ dans leur vie, l'Évangile dans leur vie. Amen. Nous avons une responsabilité et un rôle en tant que soldats de l'armée de Dieu. Conquérir par la foi est le thème de ce message. Nous devons étendre le royaume de Dieu. Nous devons gagner les cœurs à Jésus. Amen. Et nous devons le faire par notre témoignage. Beaucoup de personnes veulent parler de la Bible. Le meilleur moyen que la Bible parle, c'est que tu la démontres. Beaucoup de personnes, lorsque tu leur expliques des choses, ont du mal à comprendre. Mais lorsqu'ils voient le film ou une image, ils comprennent. Tu dois être l'image de ce merveilleux livre, de la parole de Dieu. Et si tu es l'image de ce livre, tu vas conquérir les cœurs. Amen. Tu seras un conquérant dès lors que tu manifestes la parole de Dieu. J'aime à dire que la parole de Dieu n'est pas là pour être lu, pour être médité, mais elle est là pour être mise en pratique. Et c'est à cela qu'on jaugera le niveau de maturité que tu as. Celui qui est mature n'est pas celui qui connaît. Celui qui est mature est celui qui met en pratique ce qu'il connaît. Et on va justement maintenant parler de la foi. Amen. Le thème de ce message, c'est conquérir par la foi. Tu dois avoir foi que tu es déjà un conquérant. Tu dois le croire et tu dois en être convaincu et persuadé. La Bible dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. L'apôtre Alain Patrick Tsengue dit souvent que la foi est l'un, si ce n'est le sujet le plus important de la Bible. Parce que la foi est ce qui te permet de croire en ce livre et de le mettre en pratique. Sans la foi, tu as beau savoir ce que dit ce livre, tu ne le mettras pas en pratique. Et j'ai même envie de dire, le Saint-Esprit est là pour nous révéler les mystères. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Beaucoup de personnes lisent la Bible et la déforment et ne la comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te permet de comprendre l'histoire, de comprendre dans quel contexte ce livre a été écrit. Je vous donne un exemple. Si j'écris un livre, qui mieux que moi pour expliquer ce livre? Beaucoup de personnes lisent des livres, mais ne comprennent pas pourquoi l'auteur a dit ça comme ça et ne se mettent pas à la place de l'auteur, de celui qui a écrit, pour comprendre. Ils restent à leur place. Si j'essaie de comprendre un livre
sans me mettre dans la peau de celui qui l'écrit, je risque de déformer son livre. Beaucoup de personnes disent, mais je ne comprends pas, ce livre a été écrit par des hommes. Comment est-ce qu'on peut parler à ces personnes qui sont peut-être décédées, qui ne sont plus là, pour comprendre ce qu'elles ont écrit? La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Bien sûr que Dieu a utilisé des hommes pour écrire ce livre. Mais qui les a inspirés à écrire ça, comme ça, et non pas comme ça? La Bible nous parle même des prophètes. Lorsqu'on parle des prophètes, la Bible nous dit que l'Esprit était sur eux ou avec eux. Et les prophètes venaient et disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Et ils venaient de la part du Seigneur pour donner une direction au peuple ou même pour écrire certaines choses. Beaucoup de personnes croient en Moïse, mais ne croient pas dans ce livre. Seulement Moïse a écrit une bonne partie de ce livre. Amen. Et est-ce que vous savez même qu'historiquement parlant, l'évangile de Jean est le texte qui a été le plus retrouvé dans des fouilles archéologiques. Plus encore que l'Iliade et l'Odyssée. On a retrouvé des milliers, de milliers, de milliers de textes qui disaient la même chose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et tous les... Même l'université américaine, est-ce que vous savez qu'elle va scientifiquement prouver la résurrection de Jésus? C'est prouvé scientifiquement, ou du moins historiquement parlant. Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc maintenant, on va rapidement parler de la foi, parce que le thème, c'est conquérir par la foi. Et j'aimerais vous expliquer, prendre quelques minutes à vous expliquer ce qu'est la foi. Il y a un des livres que je vous recommande et que je vous conseille, qui s'appelle « Le diagnostic de votre foi ». C'est un gros livre, un gros pavé de plus de 200-300 pages. Il va vous aider à grandir dans votre foi. Je vois l'équipe technique qui l'affiche juste ici, qui est disponible sur Amazon. Okay, le diagnostic de votre foi. Honnêtement, c'est un best-seller. C'est un livre que vous devez avoir, que vous devez lire, relire, relire, relire et que vous devez comprendre, que vous devez assimiler pour le mettre en pratique. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Très bien. La foi est l'un des sujets les plus importants de la Bible, si ce n'est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est par la foi que nous pouvons avec assurance croire qu'il y a un Dieu qui nous écoute et qu'il y a un Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. C'est par la foi que nous sommes sauvés, par grâce, par le moyen de la foi. Amen. J'aime cette définition-là qui dit que la foi est un bras invisible. Le bras invisible, c'est quoi? C'est un bras qu'on ne voit pas, mais qui sert à récupérer des choses. Ok? C'est également, la foi est également une substance, quelque chose qu'on peut quantifier. Votre foi peut diminuer tout comme elle peut grandir. Votre foi peut gagner en force, mais votre foi peut également s'affaiblir. Hébreux 1, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas juste l'espérance, la foi c'est une assurance. Amen. La foi est quelque chose de spirituel. Mais les choses spirituelles, combien même sont invisibles à l'œil nu, mais visibles avec les yeux spirituels, ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils n'existent pas. Amen. Il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas, mais ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils n'existent pas. La foi est le moyen le plus sûr. Et la foi, j'ai envie de dire, c'est ce qui va vous permettre de vous accaparer les promesses de Dieu qui sont suspendues dans le monde spirituel et les amener dans le monde physique. Amen. La Bible nous dit encore, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Très bien. Et j'aime rajouter également ce verset-là qui dit « L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Pour que le corps d'un enfant grandisse, le corps d'un homme grandisse, il a besoin d'aliments, de vitamines, de nutriments. Dans ce que nous mangeons, dans ce que nous buvons, ça va donner de l'énergie à notre corps. Ça va donner de la force à notre corps. Amen.
Le corps peut grandir, ok, tant que vous êtes en croissance, ok. Mais au bout d'un moment, votre corps ne grandit plus. Et il y a une autre croissance qu'il faut éviter, c'est quand vous vous élargissez. Amen. En tout cas, tout ça pour vous dire que le corps a besoin d'énergie. Amen. Il y a quatre types de foi. Ok ? Il y a quatre types de foi. Et j'aime beaucoup cet exemple-là et je vais vous l'expliquer. Admettons qu'on fasse une course et je prends deux autres individus avec moi pour faire cette course. Je prends un adulte de 30 ans qui malheureusement est décédé. Ok ? Je sais que c'est gore comme, et trash comme, comme exemple, mais vous allez comprendre. On va prendre quelqu'un qui est mort pour faire la course avec moi et je vais prendre un enfant de 5 ans. Très bien. Beaucoup de personnes vont dire « Oui, mais normalement, un adulte de 30 ans gagne la course face à un enfant de 5 ans. » Mais s'il est mort, il ne va rien gagner du tout. Malheureusement, les gens, lorsqu'ils sont morts et qu'il y a une séparation entre leur corps et leur âme et leur esprit, leur corps ne bouge plus. Pourquoi leur corps ne bouge plus? Parce qu'il n'y a plus de vie dans ce corps-là. Amen. Il n'y a plus de vie. Donc, un enfant de 5 ans est plus petit et moins fort qu'un adulte de 30 ans. Mais s'il n'y a pas la vie, l'enfant de 5 ans va gagner la course. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec la foi? En fait, regardez. Il y a la petite foi, la grande foi, mais il y a la foi forte et la foi faible. Lorsque vous avez une grande foi, c'est très bien. Mais dans notre exemple, la personne, l'adulte de 30 ans qui est décédé, qui est à la morgue, s'il fait une course contre un enfant de 5 ans, il va perdre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vie en lui. L'enfant de 5 ans, son corps est plus petit, mais il y a plus de force en lui. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la vie. La Bible nous dit « L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça signifie que la parole de Dieu, le rhéma, les révélations, vont faire grandir ta foi. Amen. Et de la même manière que le corps, il faut le nourrir pour qu'il prenne des forces, l'esprit, tu dois le nourrir. Amen. Notre esprit se nourrit. Non pas d'une nourriture naturelle et physique, mais il se nourrit quand même. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus a pu être là, dans le désert, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, sans manger? Parce qu'il avait une nourriture qui était différente. Amen. Même Moïse, qu'est-ce qui lui a permis de survivre? Il avait une nourriture qui était tout autre. Amen. Et tout ça pour vous dire que la foi, vous devez faire en sorte d'avoir une foi grande, n'est-ce pas? Mais également forte. Une petite foi est une foi qui n'a pas beaucoup de connaissances de la parole de Dieu. Une grande foi est une foi qui a beaucoup de connaissances. Une foi forte est une foi qui arrive à mettre en place. Amen. Une petite foi, c'est une foi qui n'est pas suffisamment, j'ai envie de dire, une foi faible, pardon, c'est une foi qui n'arrive pas. En fait, regardez, le plus important, ce n'est pas la taille, mais c'est la force. Parce que Jésus dit, si votre foi était semblable à un grain de moutarde, un grain de sénévé, vous pourriez faire des exploits. Et vous pourriez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Ça signifie que rien qu'une toute petite foi qui est forte peut faire des exploits. Imaginez maintenant une foi qui est grande et forte. Amen. Et vous devez faire grandir votre foi. Et vous devez la fortifier. C'est votre responsabilité. Amen. Parce qu'il nous a tous été donné la même mesure de foi. Ok ? Mais si nous avons reçu une mesure de foi, ça signifie que cette mesure-là, nous devons la faire grandir et la fortifier. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et la Bible nous dit qu'il nous a tous été donné la même mesure de foi, mais c'est de notre responsabilité de la nourrir, de la fortifier. De la même manière qu'un muscle, pour qu'il grandisse, il faut l'exercer. La foi, c'est la même chose. Vous devez nourrir votre esprit. Vous devez exercer votre foi pour la fortifier et la faire grandir. Ce qui va faire grandir votre foi, c'est ce que vous lui donnez, ce que vous donnez à votre esprit pour le nourrir. Encore une fois, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La question que je vous pose,
c'est est-ce que Dieu vous parle tous les jours? Est-ce que vous avez des rémas tous les jours? Parce que malheureusement, si vous n'avez pas des rémas tous les jours, que vous ne lisez pas la parole de Dieu tous les jours, ou votre Bible, ou que vous n'écoutez pas les enseignements, votre esprit ne grandira pas. Et si l'esprit ne grandit pas et que vous ne donnez pas de la force à votre esprit, vous allez vous sentir faible. Est-ce que vous avez déjà fait le test? Moi, j'ai déjà fait le test, ok? Auparavant, même quand je jeûnais, j'allais à la salle de sport. Ok, bon, c'est vrai que j'ai déserté depuis quelques mois. Ok, mais j'allais à la salle de sport en mangeant, parce que des fois, je ne jeûnais pas. Ok, mais quand je mangeais, j'allais quand même à la salle de sport. Je me rendais compte que mon corps, s'il ne mangeait pas, je ne pouvais... Il y a certaines choses physiquement, certains mouvements ou certaines charges que je ne pouvais pas soulever. Je vous donne un exemple. Quand vous mangez le matin, quand vous buvez, vous faites une activité sportive. Vous pouvez gérer cette activité. Ne mangez pas pendant une semaine et essayez de faire la même activité avec la même intensité. Ne mangez pas pendant une semaine et faites un match de foot. On verra si vous allez tenir 90 minutes. Ça sera beaucoup plus dur, voire impossible. Notre corps, pour marcher, pour se lever, pour faire des mouvements, a besoin d'énergie. Cette énergie qui vient de l'eau que nous buvons, des aliments que nous mangeons. Amen. Les enfants, on leur apprend que pour vivre longtemps et pour grandir, pour vivre, ils ont besoin de se nourrir. Faites le test, ne mangez pas pendant 3 ans. On va voir, ne mangez pas ni ne buvez pas pendant 3 ans. On va voir si vous allez tenir et rester en vie. Ce qui signifie que les aliments que nous prenons vont nourrir notre corps et donner de l'énergie. Parce que dans les aliments, il y a des nutriments, des nutritions, du calcium, des vitamines, du fer qui vont donner de la force à notre corps. Spirituellement, c'est la même chose. Si tu ne nourris pas ton esprit va mourir. Parce que tu dois nourrir ton esprit. C'est pour ça que vous devez chaque jour prendre un temps où vous lisez la parole de Dieu, vous écoutez des enseignements. Vous devez avoir un temps dans votre journée où vous êtes dans la présence de Dieu. Du moins, la présence de Dieu est tout le temps là. Mais là, c'est un temps que vous avez pris à part. Amen. Vous vous coupez de tout. Vous mettez votre téléphone en mode avion, en silencieux. Vous vous enfermez dans votre chambre, vous priez. Vous cherchez la face de Dieu. Amen. C'est important. Si vous voulez vivre longtemps, la clé de la longévité, c'est l'alimentation. La clé de la longévité spirituelle, c'est la prière. C'est la parole de Dieu, les enseignements, c'est la clé. Si tu veux rester chrétien et demeurer chrétien longtemps, tu dois nourrir ton esprit. Amen. Tu dois fortifier ta foi. Amen. Conquérir par la foi, c'est le thème de cette émission. Sans la foi, ça va être compliqué pour toi de réaliser que tu es un conquérant. Et si tu le réalises et que tu espères être un conquérant, d'être pleinement convaincu que tu l'es. Amen. Tu es un conquérant et tu dois booster ta foi. Tu dois faire grandir ta foi. Plus ta foi sera forte et grande, amen, plus tu arriveras à amener les promesses de Dieu à se manifester, pardon, et à se réaliser sur terre, dans ta vie. Amen. Jésus était un homme de foi. Lorsqu'il parlait, ce qu'il disait s'accomplissait. Ce que Jésus disait se passait. Parce que Jésus était un homme de foi. Amen. Vous devez prendre votre foi au sérieux. Si la Bible dit... En fait, la Bible dit « L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Ça signifie que la parole de Dieu fait grandir notre foi. Mais qu'en est-il des paroles différentes de la parole de Dieu? Il y a des paroles qui tuent la foi. Je vous dis la vérité. Il y a des paroles qui vont tuer votre foi. C'est pour ça que vous devez préserver votre cœur. Et acceptez uniquement les paroles de foi. Il y a des paroles qui sont là pour vous décourager. Si vous les acceptez et que vous vous nourrissez tout le temps de ces paroles-là, votre esprit va mourir.
L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. S'il y a des aliments qui donnent de l'énergie à ton corps, il y a des aliments qui le tuent. La parole de Dieu va donner de la force et de l'énergie, de la puissance à ton esprit, même à ton corps, parce que la Bible nous dit que si le corps est faible, l'esprit peut le relever. Mais il y a des paroles qui sont là comme un poison pour tuer ton esprit. Je vous dis la vérité, vous ne devez pas assimiler et croire en tout ce que les gens vous disent. Quelqu'un te dit quelque chose, est-ce que c'est semblable à ce que la parole de Dieu dit? Dieu te dit, tu vas réussir. Tes amis te disent, non, tu n'y arriveras jamais. Le diable vient et te dit, mais tu es un bon à rien, tu ne sers à rien, tu n'y arriveras pas. Si tu te nourris tout le temps des paroles de tes amis et des pensées que le diable te met, ça va te décourager. Je te dis la vérité. Quel est l'environnement dans lequel tu te trouves? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu fait grandir la foi. Il y a des paroles qui tuent ta foi. Tu ne dois pas exposer tes oreilles partout. Amen. Si tu veux être un conquérant, il y a certaines personnes que tu ne dois pas écouter. Jésus voulait conquérir les cœurs de chaque personne sur terre, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas qu'il y a des personnes qui se sont dit « Mais lui, ce n'est pas le Messie, c'est un fou. » Jésus ne s'est pas basé sur ce que ses ennemis disaient. Sur les pensées démotivantes, décourageantes du diable, il s'est basé sur la parole de Dieu. Si tu veux être un conquérant, tu dois baser ta vie, tes actions et ta parole sur la parole de Dieu. Ce que la Bible dit, je le dis. Amen. Tout ce que la Bible déclare, tu le déclares. Et c'est ça la foi. Dire ce que Dieu dit, même si tu ne le vois pas. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité dépend de tes yeux naturels et physiques. La vérité dépend de Dieu. Regardez, je peux dire je suis riche. Si je n'ai pas la richesse sur mon compte, tu vas penser que je suis un menteur. Mais si Dieu dit que je suis riche, même si la richesse n'est pas sur mon compte, je dis que je suis riche. Et ce n'est pas moi qui mens, ni Dieu, c'est mon compte en banque. Ah, je suis en train de t'amener à voir différemment ta vie. Ne parle pas l'échec, ne déclare pas l'échec, déclare le succès. Déclare la victoire, déclare la conquête. Amen. Lorsque je n'étais pas chrétien, je me faisais beaucoup, beaucoup de soucis pour mes amis, pour ma famille. Et tous les soirs, je passais des heures, des nuits à prier pour eux. Je priais tout le temps, tout le temps, tout le temps pour eux parce que je me disais, si Jésus revient demain, ils sont foutus. Un jour, le Seigneur m'a dit, Julien, pourquoi tu pries? Du moins, il m'a dit, c'est fait, ne prie plus. Il m'a dit, c'est bon. Et j'avais au-dedans de moi l'assurance que c'était bon. Désormais, je ne priais plus pour eux. Je continue à servir Dieu. Le Seigneur m'avait déjà dit, t'inquiète pas, c'est fait, occupe-toi de moi. J'ai fait confiance à Dieu, je me suis occupé de lui. J'ai continué à aller à l'église, j'ai continué à prier, même si je ne priais plus pour eux. Parce que j'avais la conviction en moi. Et à chaque fois que les gens me disaient, mais ta famille, est-ce qu'elle est sauvée? Je disais, en fait, ils sont déjà sauvés. Ils disaient, mais ils ne viennent pas à l'église, ils n'ont pas accepté Jésus. Non, mais Dieu a déjà fait. En fait, il y a un niveau où tu es tellement conscient du monde spirituel que le monde naturel et physique devient mensonge pour toi. Je ne sais pas si tu réalises. En fait, Jésus faisait tellement d'exploits et tous les exploits qu'il faisait, il disait, en réalité, tout ce que je fais, je vois le Père le faire. Il y a un niveau où tu as tellement vu la conquête dans l'esprit que quand tu ne vois pas la conquête dans ta vie, tu dis que ta vie est en train de mentir. Parce que la vérité et la réalité pour toi, c'est l'esprit, c'est plus la chair. C'est plus le corps. C'est plus le monde naturel. Ça signifie que le monde physique, ton corps, en fait, tu vois plus ton corps comme un menteur que l'esprit. Parce que tu es plus conscient de l'esprit que du naturel. Amen. Je ne sais pas si ce que je te dis te parle et te fait du bien. En tout cas, malheureusement, ce merveilleux live touche à sa fin. Ok, et oui, c'est fini. Je pense peut-être revenir une autre fois à une émission pour continuer ce merveilleux thème, ok, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais voilà, nous allons nous arrêter là. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis, chers Canadiens, chers Martiniquais, chers Guadeloupéens, chers Américains, ok, chères personnes du continent américain, ok.
Il se fait tard, amen, et nous allons nous séparer. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis. Je vous invite dès à présent à faire une offrande. Si vous avez été bénis, si vous voulez soutenir cette merveilleuse chaîne, n'hésitez pas à semer maintenant. Il y a justement ce petit QR code qui s'affiche, faire un don. Vous pouvez scanner ou vous pouvez également prendre le lien PayPal qui s'affiche juste ici ou sous le player, ok, et commencer à faire une offrande maintenant. Je vais prier pour vous et nous allons nous séparer. Amen. Je vais prier pour vous et nous allons nous séparer. Juste avant ça, j'aimerais donner des annonces très importantes. Restez connectés pour chacune des émissions d'Évangile TV. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que cette émission vous a plu. On va prier maintenant. Tu peux faire ton offrande. Prépare ton offrande. On va prier. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour tes besoins. Et j'ai un sujet de prière. J'aimerais qu'on prie également pour cela. J'aimerais qu'on prie pour que le conquérant qui est en nous soit activé. Que le Saint-Esprit puisse prendre davantage d'ampleur et que le conquérant qui est en nous puisse sortir. Écoutez-moi bien, j'ai une parole pour toi. Dieu t'a spécialement mandaté et choisi pour conquérir ta famille à lui. Dieu t'a spécialement choisi et mandaté pour être un conquérant dans ta famille, dans ton travail et dans ta génération. Amen. Lorsque l'Église a commencé à Jérusalem, Jésus leur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez-moi bien. Vous devez être un conquérant dans toutes les sphères où vous êtes. Nous avons une mission, une responsabilité en tant que chrétien de faire en sorte que toute la francophonie accepte Jésus dans sa vie. Et on ne va pas s'arrêter à la francophonie. Notre rôle est de faire en sorte que tous les continents entendent parler de Jésus. Et vous qui me regardez depuis la Martinique, depuis le Canada, depuis la Guadeloupe, depuis les Caraïbes, depuis les États-Unis, vous avez une mission. Celle de faire en sorte que Jésus soit prêché dans tout ce continent-là. Et vous avez une responsabilité. Celle de gagner toute l'île dans laquelle vous êtes à Jésus. Celle de gagner toute la nation, le pays dans lequel vous êtes à Jésus. Amen. Et Dieu aimerait faire de toi un conquérant. Mais pour être un conquérant, c'est important de faire grandir ta foi et c'est important de t'en remettre à lui. Nous avons dit, rappel, Jésus est le plus grand des conquérants. Si Jésus habite en toi, tu es qualifié pour être l'un ou si ce n'est le plus grand conquérant de ta famille et de ta vie. Amen. Tu es un conquérant. Amen. Tu ne vas pas le devenir, tu l'es déjà. Et les gens vont voir ce que j'ai envie de dire, qui tu étais déjà. Amen. Tu ne deviendras pas un conquérant, tu l'es. Et tu dois en prendre conscience. Et en faisant grandir ta foi, tu vas réaliser que toutes les promesses que Dieu a dites sur toi, elles vont se manifester. Amen. La foi est le moyen le plus sûr. Amen. Lisez ce livre, le diagnostic de votre foi. Amen. Lisez-le. Alléluia, on va prier. Je vais prier pour vous maintenant et pour toutes celles et ceux qui font leur offrande. Et on va prier pour ça, pour l'esprit de conquête. Amen. Alléluia. Père, merci. Je viens prier maintenant pour chacun de tes enfants, pour tous les internautes. Je déclare que toutes celles et ceux qui sèment maintenant dans ta maison, dans ton royaume, je déclare un retour au centuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que quel que soit leurs problèmes sont déjà pourvus au nom de Jésus. Je déclare maintenant un esprit de conquête au-dedans d'eux. Je viens activer le conquérant qui sommeille en eux et je déclare que tu déposes en eux une onction, un manteau et un équipement qui leur permettent de conquérir toute leur famille à Jésus, de gagner tout leur continent à Jésus dans le nom de Jésus. Je déclare que les Caraïbes appartiennent à Jésus. Je déclare que le Canada appartient à Jésus. Je déclare que les États-Unis appartiennent à Jésus. Je viens prier pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique latine. Et je déclare que toutes ces personnes sur ces continents appartiennent à Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu fais d'eux des puissants conquérants. Leurs armes ne sont peut-être pas naturelles et charnelles, mais elles sont spirituelles. Et je déclare que tu leur révèles les armes que tu leur as données. Et je déclare qu'ils sont des hommes et des femmes de prière. Lorsqu'ils prient, lorsqu'ils plient le genou au sol, les démons tremblent en face d'eux.
Je viens détruire et annuler tous les plans du diable et de l'ennemi contre leur famille au nom de Jésus. Je viens détruire tous les plans du diable contre leurs finances au nom de Jésus, contre leur travail, contre leurs études au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens annuler et détruire tous ces plans machiavéliques et maléfiques contre leur vie au nom de Jésus. Ils appartiennent à Jésus et rien ni personne ne pourra s'en prendre à eux parce que l'Éternel des armées est avec eux. Merci Seigneur, nous ne craignons rien parce que tu es avec nous. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Alléluia, merci Seigneur parce que tu nous donnes la puissance de fortifier notre foi. Je déclare que nous sommes chacun d'entre nous des hommes et des femmes de prière. Merci parce que nous fortifions notre esprit et notre foi. Merci parce que nous comprenons l'importance de grandir spirituellement et de nourrir notre foi, de nourrir notre esprit. Je viens prier maintenant afin de déclarer que de la même manière que tu t'es révélé à moi, tu te révèles à eux au nom puissant de Jésus. Je déclare le discernement. Je déclare qu'ils reconnaissent ta voix quand tu leur parles. Ils reconnaissent, ils ont du discernement dans l'esprit pour savoir que c'est toi qui leur parles et non l'ennemi. Ils savent faire la distinction entre leur chair, entre l'esprit et les pensées qui viennent du monde, qui viennent du diable. Merci Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce merveilleux live. Nous sommes reconnaissants envers toi, envers ta parole, pour tout ce que tu as dit. Je viens sceller toutes les paroles qui ont été libérées dans leur cœur et je déclare un feu pour la conquête dans leur vie. Je déclare que tout cauchemar cesse. Toute attaque de l'ennemi cesse dans leur vie au nom de Jésus. Ils sont libres. Et je proclame la guérison dans leur corps. Je proclame la guérison dans leur âme. Je viens déclarer la restauration de toute offense et de toute blessure. Et je les bénis en ton nom, dans le précieux nom de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient leur partage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Félicitations. Merci de m'avoir suivi durant ces temps de live. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. N'hésite pas à liker cette vidéo et à me dire dans les commentaires ce que tu as aimé. Je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit dans la présence de Dieu. Je vous aime, vous m'aimez, vous êtes bénis. Que Dieu soit avec vous. Ciao, bye bye. Soyez bénis.